Vous, virgule, joueur que j'ai vu s'inscrire pour participer, allez donc donner le meilleur de vous-même. C'est trop facile cette dictée. Le noir est mort! Je l'ai tué! Ils font de la merde! Et Flashine, cette connasse! Est-ce que ce serait pas quelqu'un de la team? Kylian Mbappé! Attends, mais le faux pirate. Oh là là! J'entends plus les rageux. C'est vraiment bizarre ça. Ah oui, carrément. Ah, on en est là quoi. Ah oui, on en est là. Le bilan sur le classement général, faire de la merde, de la dictée. Tout est faux, mec. Cancre. J'aurais dû me relire en fait. Il y avait un H, j'ai pas mis de H à logorique. Je sais pas, je comptais sur Étoile. J'avais acheté pour l'occasion. C'est pas un partenariat. Gagner, mais, en fait, mais c'était important pour c'était nous. C'était trop compliqué pour qu'il puisse faire ça en fait. Hop là, j'ai dit hop là. Non mais arrête tes conneries. Je suis allé jusqu'à H. Je suis allé jusqu'à H, pas jusqu'à L. J'ai pas logorique, j'ai pas ses naissances, j'ai pas tous ces mots de con là. Je les aurais tapés en entier le dictionnaire. C'est Zerator qui voulait pas que je gagne. Mec, événement, tu me mets un putain d'accent grave sur le deuxième heure. Non mais mec, c'est de 93. Ça a été changé. Événement, il y a deux possibilités. Mais on va sur l'académie, académie française mec. J'ai demandé, j'ai call. Mais comment on savait quelle orthographe utiliser? Regarde, l'ancienne orthographe du terme qui a été corrigée en 90. Non mais celui-là tu me rajoutes un point. Mais c'est outdate. Mais putain 90. Je vais pas passer les poules sur événement. Ah, à l'aide. T'inquiète, c'est solide. Ça coûte rien, t'inquiète. C'est chinoise dans une brocante, j'ai acheté. Mais bon, essaie de faire les frais. Ça, c'est pas cher, mais ça vaut 1000 balles et ça 2000. Le tapis de souris coûte 6000 euros. C'est du cuir d'un animal rare qui n'existe plus. Et de la fibre de verre d'or. Voilà. Faut rien lâcher, vous allez quand même y arriver. Putain, vous allez quand même, vous allez quand même. Arrêtez, je vous en supplie. C'était pas si évident, genre c'est pas comme si j'avais écrit vous allez. C'était vous joueur machin. Vous savez que s'il n'y avait pas eu les virgules, ça aurait été un remplacement de sujet, ça aurait été AINT. Pouah étoile. Allez putain, au moins sur nos jeux qu'on soit pas des victimes. On a été des victimes sur la dictée, on a été des victimes sur vous. Tu m'enlèves ton regard de merde de mec qui écrit AINT en mode mais c'était. On s'en bat les couilles. On monte notre level sur Trackmania, on monte notre level sur Minecraft. Si ça passe, on se sucera parce qu'on aura été chaud. Si ça passe pas, tant pis, Zland 2 on gagnera. Ouais. C'est de la merde, on gagnera. Allez, vas-y. Mec, ce clavier incroyable. Hein. T'as cette idée que j'étais eugénique, j'ai eu une heure avant de partir. Arrête de toujours dire que c'est ton clavier qui est incroyable. C'est pas le ballon qui fait le footballeur. Un peu, hein. Bah, un peu, mais tu fermes ta gueule, tu focus, tu fais tes bons drifts. Si tu fails une ou deux runs, c'est pas grave. 500 points, ça remonte très vite. Alors, en tant qu'expert footballistique, la Coupe du Monde dernière, si les coups de pied arrêtés étaient aussi favorisés, c'est grâce au ballon flottant. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. Et puis, de toute façon, si t'avais eu autant de temps de train que Mbappé, t'aurais été meilleur que lui, on le sait. Ah, mais ça, c'est sûr. J'aurais été moins rapide, mais j'aurais été meilleur techniquement. Mec, c'est vrai. What the fuck. Non, mais ça, c'est vrai, je pense vraiment. Non, mais j'aurais été plus technique mais moins rapide. Mais what the fuck, pourquoi tu rigoles? Mec, si tu me dis pas la phrase étoile, on va être humble et on va jouer à notre niveau. Et peu importe les facteurs extérieurs, on aura donné le meilleur de nous-mêmes, on gagnera pas ça. Donc il faut que tu te dises, on va donner le meilleur de nous-mêmes, peu importe les facteurs extérieurs, on va montrer notre niveau. Allez, étoile, on va donner le meilleur de nous-mêmes, peu importe les facteurs extérieurs, cette chasse des RNG. Et soyons humbles, let's go. Une victoire dans l'humilité, c'est quand même, ça vaut quand même plus qu'une victoire dans la. Ça vaut beaucoup plus. Dans l'arrogance, c'est vrai. C'est une question de lucidité. Après, une défaite dans l'arrogance, c'est quand même beaucoup plus marrant qu'une défaite dans l'humilité, quoi. Oui, mais soyons humbles. On est humbles. Quitte à perdre autant, être les gros fils de pute. Non, parce qu'on connaît notre courage. Waouh. Attends, mec, apparemment. Non, c'est mytho. Non, c'est des mythos, c'est des mythos. On sera jamais, on sera milieu de tableau. Mec, Z dicté. Mec, 3. 3 étoiles. Étoiles. Qu'est-ce que je t'aime, étoile. Troisième à la dictée, c'est ça. On l'avait dit, hein. On l'avait dit que c'était tranquille. Qui a paniqué? Personne. 3 et 7. Le paragraphe 3, on a fait 7ème. Mec, on est 3ème sur le premier paragraphe. 7ème sur le 3ème. On va être top 10. Le deuxième paragraphe, j'ai pas de choc. C'est le troisième que j'ai de choc et je suis 7ème. Ok, c'est le 2 qui est ref. Oh, t'es... je peux t'embrasser ou pas? Je peux t'embrasser, lèche. Oh là là. Humble. Mec, qu'est-ce qu'on est? Humble. On est humble. Pour l'instant, on sait pas. Ça se trouve, on est 30ème. On est humble. La seule chose que je veux manger, c'est tous les gens sur Trackmania. Je m'en bats les couilles du pain. Le pain? Ah, on est humble. J'ai une question. S'il y a des gens qui demandent le nom de notre team, c'est plus Salt and Sugar. C'est Humble FC. Le Humble FC? Mec, on est vraiment le Humble FC. Tout est sur l'humilité. Hop là, j'ai dit hop là. J'ai pris le finish dans la gueule, j'ai perdu 30 points. C'est rien 30 points, mais. J'ai pris le bord du finish. Osef, sur tous les runs qu'on a fait sur cette map, c'est la première fois que j'ai. T'inquiète. Allez. C'est très bien. T'inquiète, on s'en branle, t'inquiète. J'ai
réfléchi en fait. J'ai réfléchi au lieu de jouer. T'as pas été humble. Non, non, j'ai été humble, mais j'étais inattendu. Mec, j'ai fait 9ème, t'inquiète. T'es le meilleur étoile. Très très content, j'adore. Par contre, mec, s'il te plaît, juste sur Minecraft. Je t'écoute, mais bah ouais. je suis aveuglément. Non, mais pas ça. Si tu vois que tu meurs early, tu me laisses. J'ai ma playlist qui s'appelle Sardoche est mort, je dois 1v2. Et j'ai que des sons de Al Capote et de Hamza dedans. C'est impossible de perdre. C'est strictement impossible. C'est la meilleure playlist Spotify de tous les temps. Du coup, y'a aucun souci. Sors de la voiture. Je sors de la voiture pour gratter des places. Je suis sorti de la voiture. Je suis dans les fougères, je suis dans les fougères. T'es parfait, moi aussi. Non, je vais prendre des dégâts. Non, on est pas dans la zone. Pas dans le gaz, ça va, il s'allonge pas dans le gaz, mais y'a Nia Cardos juste de l'autre côté. Oh, il se fait écraser. Sardoche qui est plus résistant que le véhicule. Mais finalement, le gaz l'aura achevé avec le dernier tic. Oh non, vas-y, mec, c'est à toi de jouer là. Allez, toi. Dommage, c'est bien. C'est terminé. Pour Sardoche et Étoile, top 33 et top 34. Oh, mais l'homme en titane, Sardoche. Incroyable. On est 17ème. Mec, on est 17ème. Oh, c'est maintenant qu'on break the curse. On doit break the curse. Il faut passer 16ème, on est 17ème. Oh là là. Oh. Étoile, reste concentré, Étoile. Reste concentré, je te jure, tu baisses 7ème. Je te jure, j'ai même pas capté que c'était leur pseudo en plus. Tu les as tués? Ouais, j'ai pas capté, gros. J'ai vu des mecs devant moi. Vu que je suis un V2, gros, c'est. Non, je suis un bâtard, j'aurais jamais dû tuer. Ah, j'aurais pas dû faire ça, très mal jeu, très mal jeu. Ah, très mal jeu ce que je viens de faire. Ah, c'est toi. C'est moi. Ah putain, je les ai enlevés deux, mec. Mec. C'est parfait. Oh, je suis mis un combo de ouf. Vas-y, go. On le finit. Il est mort. Let's go. Altegan, s'il te plaît. Il est mort, let's go. Mister Exclusion, suis-moi. Il est mort, allez. Bip. Il est mort, allez. J'ai tué deux. Let's go, Arc-en-Corse. C'est pas grave, okay, c'est pas grave, 30 kills. Let's go mec, j'ai fait 11 kills hein. Let's go mec. On a 41 kills. On est top 4 et top 3. C'est très très bien Étoile. Parfait. Quelque part je me dis bah finalement j'ai bien fait de streamer tous ces entraînements, même si ça m'a porté préjudice pour la suite de la compétition. C'est sûr que bon, Starcraft 2, les gens vont savoir plus ou moins les vœux que je vais faire et les gens vont connaître mon niveau pour les pick ban, mais je me dis que c'est la moindre des choses en fait. Et là vous êtes tellement nombreux que bah, c'est incroyable. Bon, je me suis bien amusé cette game, ça compense largement la game que j'ai pas pu faire. Il faut pas péter un câble. Le scorpion c'était horrible. H1Z1 c'était horrible ce qui nous est arrivé. On a de quoi se plaindre, mais surtout la dictée, il y a certains mots on avait bien écrit, mais la dictée avait des fautes et c'était horrible aussi. Et mais en fait, malgré tout ça, à chaque fois, il y a quelque chose. Trackmania, on a été solide, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les jeux où il pouvait y avoir quelque chose d'aléatoire, de mauvais, ça s'est arrivé en fait. Donc là, les amis, si on doit gagner, on va gagner en fait. Le destin, il est fait comme ça en fait. Et plus il y aura d'obstacles à traverser pour réussir à gagner, plus ça aura de valeur en fait. Bon, Étoile est trop fort, hein, mais je me donne à fond et j'espère que ça va bien se passer. Oh merde, je suis plus qu'une vie, je suis tellement mal positionné. C'est catastrophique. C'est bon. Let's go, mec. Là, à gauche. Libre, je suis derrière Libre, je vais le toucher. Oh non putain! Allez, Étoile. Yes! Let's go, mec, let's go! 9ème, let's go! Allez, on rompt la malédiction, c'est terminé! C'est non! Oh là là! Let's go! Yes, mec! C'est ça! Let's go! Yes! Nice! Encore! On lâche rien! Si chez You bat Wingo, on a gagné la LAN. Enfin, c'est vraiment insane. Si Wingo Beer gagne. Mais mec, juste, c'est Shonen de fou en fait. Ouais, c'est Shonen, c'est Shonen de fou parce que on peut les battre sur Trackmania. Il y a une chance sur 50, mais il y a une chance. Alors qu'on est la seule équipe qui peut les battre sur Trackmania. Et on peut les battre sur Dijam, leur meilleur jeu. Parce que genre, on a un instinct, tu vois. C'est, ouais. C'est pour moi de la zone en fait. Si on doit se battre, c'est sur Dijam. Et ils ont intérêt à pick Dijam. Je sais pas ce que tu fais. T'as quoi comme arme? T'as la sainte? T'as la banane? Dis-moi que t'as la banane! Oui, j'ai la banane, mais c'est chaud. Attends, t'as une sainte banane aussi. Tu mets 3 secondes. T'es le meilleur. Juste, tu me touches cette banane, tu me baisses. Mec! Mec, attends! Mec, y'en a deux! Mec, je crois que tu l'as fait! Non, je crois pas. Mec! Oh non! C'est pas possible! Non, mais c'est pas possible! Je crois pas qu'il peut tuer, il a pas de jetpack. Hein. Il faut qu'il fasse la meilleure banane. Mais il est moins bon que toi, il est moins bon que toi, je te jure, il est moins bon que toi. Il va la rater! Elle est ratée, c'est de la merde! Il est nul à chier! Allez, vas-y, passe derrière. Mec! Mec, tu mets une sainte grenade, elle va péter que quand elle sera au fond du trou, il est mort. 100%. T'es le meilleur, on gagne en artillerie parce qu'on est des kings. Voilà, et tu la mets dans le trou. Et elle va s'arrêter et elle va exploser sur nous. Ok. Encore, on reste calme, tranquille. Yes! Allez, encore! On se focus entre chaque. Encore, on gueule. À chaque point, on se focus. On arrête.
Le coup de cœur sur le filet. Est-ce que l'équipe SXS est éliminée du tournoi. Avec tous les joueurs derrière qui... Regardez tous les joueurs derrière qui regardaient ce match et qui se serrent la main. Je vais tout de suite aller les voir. Merci mon cher Xavier d'avoir commenté ce match. On va aller les voir tout de suite. Sardoche de l'équipe Salt and Sugar qui a fait une LAN excellente, qui doit pas être déçu. Donc qui est déçu évidemment, mais qui doit rester humble et rester fort. Étoile qui est au fond de sa chaise. Merci beaucoup, j'ai pas lu les sub à stream. En tout cas j'ai vu tous vos messages d'encouragement entre les games. J'avais pas le chat pendant les games évidemment, vous en doutez. Sinon j'aurais pas eu ce niveau. Et voilà, passez une bonne journée puis là je me casse pour de vrai. Passez un bon moment pour la ZLAN, j'espère que vous allez quand même kiffer demi et finale. Même si je pense sincèrement que... Ah bah ça aurait été plus beau avec nous hein, je suis obligé d'être comme ça hein. Allez ciao, à la prochaine. Is at my feet, yeah. So take me higher, baby. Let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running, running, running for you. So I'll keep running, running, running for you.